Bonjour, 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 la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien liker, partager la vidéo dans tous les groupes. Je vais dire deux mots à certains de nos frères guinéens. Après la sortie du président de l'UFDG, Ella Sylodale, à New York, concernant la colonie Nicaragua, on voit des gens qui font de la récupération sur la sortie du président de l'UFDG. Il faut que les gens se ressaisissent à un moment donné. Il est temps que certains se ressaisissent. Il est temps que certains se ressaisissent. Au lieu que vous versez tous vos salades sur le président de l'UFDG, pour légitimer le pouvoir de ces bandits-là. Lorsque les bandits ont fait le coup d'État, quels sont les discours qu'ils nous ont tenus ici? Ils ont dit que les Guinéens étaient divisés. Les Guinéens ne se parlaient pas. Vous avez oublié les discours du bandit Mamadou Doumbouya. Lorsqu'ils sont venus, ils ont donné les cases Bellevue à la famille de feu général, du feu président, Ahmed Sékou Touré, père à son âme. Qui a parlé? Qui a parlé? Ils ont donné le nom de l'aéroport au feu président, Ahmed Sékou Touré. Qui a parlé? Personne n'a rien dit. Les mêmes sont venus ici. Ils ont dit qu'ils ont fait le coup d'État. Qu'au nom du troisième mandat, que les Guinéens ne se parlaient pas. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cassé la maison de Ella Sylodale. Ils l'ont poussé à l'exil. Combien de jeunes de l'Axe sont tombés? Combien de jeunes de l'Axe sont tombés? Ceux qui parlent, oh, Soukolé, Assinitan, Abonitan, à un moment donné, il faut vous ressaisir. Ceux qui ont fait le coup d'État, Albert Manika, Mouamou Kakuritake, qui a formaté Idi Amin, Manika, Bala Samoura, Manika, Doumbouya, Manika, Amara, Manika. Même à la générale, l'actuel commandant des forces spéciales, Mouktar Kaba, Altal Sabari, qu'est-ce que vous avez à dire? Oui, lorsqu'on est opprimé, oui, lorsqu'on est dessus des gens, on est dans l'émotion. Ce n'est pas Sylodale qui allait faire le coup d'État au président Alpha Condé. Vos discours que vous tenez là, vos discours que vous tenez, allez-y, dis ça à Mamadou Doumbouya. Celui qui a fait le coup d'État au président, ceux qui ont fait le coup d'État au président Alpha Condé, c'est Namouri, le chef d'État-major, le commandant des forces spéciales, les gens de renseignement. C'est eux qui ont fait le coup d'État. Le commandant de la ville de Conakry, du côté de la gendarmerie, Bala Samoura, c'est eux qui ont fait le coup d'État au président Alpha Condé. Ce n'est pas Ella Sylodale. Que Ella Sylodale parle des migrants, ceux qui sont passés par Nicaragua, ce n'est pas lui qui gère le pays. Ceux qui ont était lui voir, il a écouté des gens. Son discours est en rapport par rapport à ceux qui l'ont rendu visite. Ça n'a rien à voir avec la Guinée. Vous voulez soutenir Mamadi, mais sortez dans l'esprit communautaire. Ah non, 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 on doit soutenir Mamadi. Albara, il a sous-collé, Abonita, Adonita. Mamadi, qui a fait le coup d'État au président Alpha Condé? Manka, le coup d'État que Manka là. Si ça c'était un peu, c'est que le pays là, Diamana Mutunte Souma Oro. Diafla Tumra Kuletaka Alpha Condé là, Diamana Tunte Souma. Je vous dis à un moment donné, sortez de l'esprit communautaire. Je suis en live, pardon, je suis en live. Sortez de l'esprit communautaire. Sortez de l'esprit communautaire. Si aujourd'hui vous avez des plateformes,
si vous ne pouvez pas aider les Guinéens à être unis, ne soyez pas à l'étranger. 2009, c'était le début de notre démocratie. Et nous sommes en train de construire cette démocratie. Il faut tirer les leçons du passé. C'est ce que les bandits nous ont dit, non? Mais vous allez voir des jeunes assis. Au lieu de chercher à rassembler. Non, non, non. C'est facile de venir s'asseoir ici. À Soukolé. Ni Soukolé très. Pourquoi les bandits n'ont pas soutenu le président Fakonde? Malgré qu'il les a fait confiance, il les a donné le plein pouvoir. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Celui qui a fait le coup d'État, pourquoi vous ne parlez pas? Vous qui tenez des discours communautaires là. Nkalo, si c'était un forestier, la Guinée n'allait pas dormir avec vous. Si c'était un soussou qui avait fait le coup d'État, la Guinée n'allait pas dormir. À un moment donné, sortez de votre esprit communautaire. Vous avez vu le régionalisme développer un pays? Albra Prela, non, Souko, vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte de tenir de tels discours. Vous êtes en Occident. Souko Kumao. Vous êtes en Occident. Vous écoutez les gens. Vous avez vu quel pays du monde se développer. Au lieu de se battre à unir les Guinéens, ils sont à l'aise de s'asseoir et tenir des discours communautaires. Kouselouda l'a dit, voilà, il a parlé. Oui, on peut parler de sa communauté. Le problème, c'est ceux qui gèrent le pays. Le problème, c'est ceux qui gèrent le pays. Le problème, ceux qui gèrent la Guinée. Qu'est-ce qu'ils font pour que la Guinée aille de l'avant? Le problème, c'est ça. Le problème n'est pas Seloudalé. Aujourd'hui, s'il n'y a pas d'électricité, ce n'est pas Seloudalé. S'il n'y a pas de route, ce n'est pas Seloudalé. Si les gens sortent du pays, ce n'est pas Seloudalé. Au lieu de camoufler l'incompétence, l'ignorance de ceux qui nous dirigent, ils sont là à tenir des propos. Et vous savez, c'est tellement facile d'embobiner des gens. On est nafra man kade nou yene, alia ke konye. Parce que Hankri Dobra Warala, Kumakela Lo, Amay. Ni souko letre, ni souko letre. Mamadi tu kaka kaka kudeta ke président Fakonde la. Hein? Ni souko letre. Mamadi tu kaka kaka kudeta ke Alpha Condé la. Donc, Kafo Mom nou yene, que nous, on n'est pas dans leurs bêtises là. Voilà. Nous, on veut une Guinée unie. Prospère. En UFL, la Guinée Kadembe. Nous sommes tous des Guinéens. Ce n'est pas dans la guerre qu'on va développer la Guinée. Non, Sékou Damaro, il ne faut pas répondre ce. Vous savez, il y a des gens, quoi qu'on fasse, quoi qu'on va dire ici, pour unir les Guinéens, il y a toujours des brebis galeux. Il ne faut même pas répondre ce brebis galeux là. L'essentiel, que la majorité. Soit avec nous, c'est le plus important. Mais les gens sont là en train de halluciner, réseaux sociaux, coca, albara prela, c'est l'oudan et kafota, donc, en bas de malou, anya ketan. Non! Vous êtes en Occident, réfléchissez. Ni la Guinée, Kabeka Murfata, on aura quelle Guinée? Avant de parler, il faut réfléchir, avant de tenir de tels propos communautaires. Allié Hankri sur Albakra Koumafola. Murfa Baratala, qui va être content? Si on brûle tout, on aura quelle Guinée? Vous n'avez pas, on n'a pas vu le Libéria, même la Côte d'Ivoire. À un moment donné, il faut vous ressaisir. Oui, je le dis haut et fort. L'UFDG s'est battu contre le pouvoir d'Alpha Condé ici. Ils ont fait plus de 10 ans. Ils n'ont pas eu le pouvoir. Lorsque tu mènes un combat contre un régime et un menteur, un gros menteur vient s'arrêter pour dire c'est au nom de la démocratie qu'il a fait le coup d'État. Quelque temps après, le leader de ce parti, on casse sa maison, on le pousse à l'exil. Oui. Celui-là doit être dans l'émotion. Oui.
Mais lui n'a pas pris les armes contre son peuple. Ça, c'est des vérités. Ceux qui disent là, soutenons Mamadi. Selou Dalé n'a pas pris les armes contre son peuple. Même s'ils étaient opposés au président Alpha Condé. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez nous dire ici. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? À un moment donné, ressaisissez-vous. Albraprela Kono. Djamanami, Soukole, Asinita, Abonita. Alou Souleka, Allah Masala Maluya. Alma Maluya Oro. Alteran Kirisoro. Alou Souleka, Allah Masakela Maluya. Sadiba, c'est un malinqué. Flatayo. Sosotayo. Allez, mon cadet, le cafou, Fana Sadiba. Nkalot, Marakala, si toi lui est Fana. Tiens, Altéan Kirisoro. Quand vous venez parler aux gens là, réfléchissez ce qui est bon pour la Guinée. Al Brafrako Souko, la Guinée Watomini. Quatre régions naturelles. Abrafrako Bewabara. Nalkoko Souko. Les Soussous vont demander à tout le monde de dégager de Conakry. Ce sont lui et Talbra, Bascot. Fla lui et Talbra. Manka lui et Talbra. Forestier lui et Talbra. Où est la Guinée maintenant? Au lieu de prôner pour l'unité, la paix. Non, non, non. Eux, ils sont là-bas seulement. Eh, Souko, vous allez révolter les autres. Ce sont le Baraouri, Al-Kata Fradi. Nalukoko Kake Souko, vous qui parlez là. De l'ethnie. Et puis ils sont fiers. Là, ça n'est quand est venu ici. Ama Soussodéou Takal, Aloua enrôlé, Armero. Alma Moufa Takadi Soussodéou Luma. Alte Hankri Soro. Là, ça n'a compté à faire 24 ans ici. Vous vous dites aujourd'hui, oh, allez-y, allez, Agne Moulfa, ni Felouta. Si là, ça n'a compté avait fait ça. Agne Dia, mais non, ça a été indiqué. Altéan Christoro. À un moment donné, quand vous parlez, il faut réfléchir avant de dire certains propos sur les réseaux sociaux. Cette démocratie-là, nous sommes au début. Il y aura des hauts et des bas, mais pas de propos communautaires. Le combat de l'UFDG face au RPG, tout ça, ça fait partie du combat politique. Mais avec le temps, on apprend. Parce qu'après le régime de feu général, ça ne comptait pas à son âme. C'est là qu'on a eu des élections libres. Même si certains n'ont pas aimé le président Alpha Condé. Mais aujourd'hui, avec le temps, les mentalités vont changer. Les mentalités vont changer. Mais en amont, il te fait qu'à quoi il quoi. Donc, il prend une table à Diamana. Donc, il te fait qu'à quoi il est bien fait. Tant que vous ne vous débarrassez pas des mentalités communautaires, là, la Guinée est aussi. Vous n'apportez rien à votre pays. Il te fausse les cas là. Fouille! Quand on parle de soutenir quelqu'un, on doit parler du bilan. Quand on parle, on soutient un leader. Mamadi a quel diplôme? Ça fait 3 ans. 19 200 fonctionnaires à la retraite. Tous les PME aux arrêts. Le pays aujourd'hui, l'insécurité, on n'en parle pas. Toutes nos routes sont gâtées. Vous qui dites qu'on va soutenir Mamadi. Quand on dit soutenir un leader, parlez-nous de son bilan ou de son programme. Mais ne parlez pas de l'ethnie. Il faut avoir honte de parler de ça. Au 21e siècle. Et vous êtes fiers de vous asseoir sur derrière vos téléphones. Comme Mamadi, Ambramole, Asinita. La Guinée appartient à tous les Guinéens. La Basse-Côte, c'est pour les Soussous. Le Fouta, pour les peuples. La Haute-Guinée, les Malinkés. La forêt. Mais si aujourd'hui, cette diversité, l'union, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, celui de Yomou quitte là-bas jusqu'à Conakry. Où il y a la mer. On prend la banane plantée. De la forêt, on envoie à Conakry. Le sel de Conakry, on envoie en forêt. La patate du Fouta, on envoie en forêt. On envoie un peu partout. Le fonio de la Haute-Guinée, on envoie un peu partout. C'est ça la diversité. Maintenant, qui vous reconnaît, Souko, Anyaketa, Anyabota. À un moment donné, il faut réfléchir, les gars. Vous ne pensez qu'à diviser ce pays. Mais vous n'avez pas de solution pour unir les Guinéens. Vous ne parlez pas de mérite. Altemalé, à un moment donné,
quelle Guinée vous voulez? Moi, l'union, ma foi. Les gens prennent les armes. C'est ça le développement. C'est ça votre démocratie. Je me dis, je vais calter au fond de l'union. En bas des mains, en non, mais je vois que le monde là est foutu. Hankrima Baradoya quoi. Jonah Kramol le Trekumala, Lonikela le Trekumala. B, l'avènement des réseaux sociaux, la Guinée n'a pas en profité. Ni baneni, ni faneni, temo, brujuya, kakumakoro lufo, ka via lufo, ka la molla. La Guinée n'a rien eu. Non, Alpha Dio, c'est le discours communautaire que je viens de voir sur les réseaux sociaux. Et les gens m'envoient que Elassane Dalin aurait tenu un discours où il a parlé des Guinéens passés par le Nicaragua. Qu'il a dit, voilà, les gens de sa communauté ont beaucoup souffert. Oui, c'est le PR dans l'émotion. On peut comprendre la position de Elassane Dalin. Vu depuis 2009, il se bat, il cherche le pouvoir. Et c'était l'opposant principal du président Fakonde. Et celui qui est venu faire le coup d'État à son nom, Mamadi Doumbouya, que c'est au nom du troisième mandat du combat démocratique. Et si Elassane Dalin voit sa maison rasée, le poussait à l'exil, monter des complots Kono, Air Guinée et autres là, forcément que oui, Elassane Dalin doit être dans l'émotion. Oui, quand on est souvent dépassé de certaines choses, on dit tout. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce que les gens ont sur leur cœur. Face au pouvoir du président Alpha Condé, l'UFDG était farouchement opposé. Les gens disaient tout. On doit renverser le pouvoir d'Alpha Condé. Mais ils n'ont jamais fait de coup d'État. Idi Amin, le coup contre le président Alpha Condé, le domicile du président Alpha Condé, tout a été monté par Idi Amin. Je dis haut et fort pour éliminer les De Gaulle, les Noucham, tous les militaires qui pouvaient les empêcher de faire le coup d'État au président Alpha Condé. Ils se sont servis de l'opposition guinéenne. Mentir que oui, tel ou tel voulait faire le coup d'État contre le président Alpha Condé. Tout a été monté par Idi Amin. Qui a vu le rapport final de tous ces mensonges-là? Ça a été des choses que eux-mêmes ils ont montées. Moi, j'aurais été à la place de Elassane Dalin, j'allais même dire pire que ça. J'allais dire pire que ça. Ceux qui font flagrant, là, Altekoumala Oro. Mamadi, pour lui qui fait flagrant aujourd'hui, Altekoumala Oro. De la manière dont eux, ils sont en train de gérer le pays. On peut gérer une république comme ça. Altekoumala Oro. Donc, les autres, là, Beyla, qui Ibro croisé, quoi. Moi, je vous ai dit, il faut que les choses changent. Il faut que les mentalités changent. Manka demenu yokumala. Alia ke konye de. Alia kolu ke konye. Arrêtez d'enflammer les choses. Arrêtez d'enflammer les choses. Mamadi Nani, c'est papa Mamadi qui a fait le coup d'état au président Alpha Condé. Quand c'est l'UFDG. Quand il a fini de faire son sale boulot, il n'est pas allé se flanquer à Bambeto pour tromper les gens là-bas. Combien de jeunes sont tombés là-bas aussi? Combien de jeunes? Maintenant, pour saper ces vérités, Kosselou Dalin a dit quelque chose. C'est Kosselou Dalin qui augmente le prix des darés. C'est Kosselou Dalin qui augmente le dédouanement. C'est Kosselou Dalin qui est en train de mettre les gens à la retraite. C'est Kosselou Dalin qui est en train de créer l'insécurité dans le pays. C'est Kosselou Dalin qui est en train de tuer les militaires aujourd'hui ou arrêter les gens, kidnapper les gens. À un moment donné, si vous voulez parler de ces faits-là. Le discours de Kosselou Dalin n'a aucun impact. Ça peut être déplacé, oui. On peut comprendre. Mais ça n'a aucun impact sur la situation du pays. Lui a déjà manifesté ici. Lui a déjà tenu toutes sortes de propos. Madik a dit toutes sortes de propos lorsque Madik était au Canada. Je sais que si c'est Madik ou un jeune peuple qui avait tenu ces propos-là, on allait parler de autre chose. À un moment donné, il faut placer les mots ou les propos des gens dans un contexte général.
dans un contexte général. À un moment donné, pardonnez les gars. Ali fera tabla la Djamana Kono. Kouma Doulouye, Alal Sabari. On n'a pas besoin de ça en Guinée. Moi, je ne dis pas à quelqu'un de ne pas être contre El Asseluda Lende. Mais lorsque vous venez Kakota Kakem, Soukoye, Namake Konye, Djamana Mbara Djenna, Monsita Tonobo, Imiria Mima, Tenakelawe. La guerre, c'est comme du biscuit. Ibarable lidaro ya karila imiria la kwa kartoy rom na te karlay imiria te mawole kela. On voit ce qui se passe en Russie, Russie Ukraine. Donc on demande à nos frères de se ressaisir. Ali al-Sabari, il faut arrêter d'enflammer les choses en Guinée. En principe, nous devons mener un combat pour rassembler les Guinéens. Mais on ne doit pas être là pour envenimer. Naliki loko fakar salua keta alia bota. Beyo ibara woroke, amamf sakrenye. Beyo ibara. Mais nalie fe, koko ye ben, alie kumafo. Mide benjamama. Mais kalisi, ah non. Mamadi c'est notre parent. Ici, on parle de la Guinée. Hein. On ne parle pas seulement que d'une région. En tout cas, la Haute-Guinée, Bansankoka. Si c'est Haute-Guinée, là, la démagogie, là, Anyawake. Mais si c'est de la Guinée, là, ce que le bandit peut faire, ou ce que le bandit de Mamadi Doumbouya a fait pour le pays, parlez de ça. Ne venez pas nous, vous arrêter devant nous ici. Ah non, c'est notre parent. Notre parent, Nkokole, il a fait le coup d'État à qui? Qui a poussé les enfants à aller attaquer la présidence? Namouri, Manika. Idi Amin, Manika. Bala Samoura, Manika. Amara, Manika. Il y a quelle ethnie encore? Tous ceux qui commandent là. C'est eux qui ont choisi les autres. Mais tous les décideurs du CNRD, Allah Yafa Sadibam, ils étaient tous là. Tous ceux qui ont décidé, ils étaient tous des malinqués. Dieu Kumala, vous avez entendu les peuples parler. Vous avez entendu les soussous parler. Vous avez entendu les forestiers parler. Tous les décideurs. C'est les autres même qui doivent se plaindre. Les gens sont frustrés, ils ont raison. Si les gens sont frustrés, parce que la Guinée ne ressemble pas à une république, c'est la loi du plus fort. Donc, c'est le pouvoir, c'est le bro, c'est le joleke. Naka monema kanfo a jole, parce que ni moro koro luka coup d'état qui est présent fa konera ki ni simo lu nyakoro kono ko troisième mandat asinita bonta albranina, ils ont oublié le 5 septembre. Moi, c'est ce que je dis. Même le cadavre de Seloudal, je préfère ça que Mamadi Doumbouya. Le cadavre de El Asseloudal, je préfère ça parce que je me dis que lui c'est un humain, il a la notion de la république, que ces bandits là. Parce que Almana à la Dankama, à l'unanne carotien, à l'unanne à l'intérêt le cosson. Dolufana, Ole Alia Fanyene, Kono, voici ce que nous devons faire pour rassembler les Guinéens. Non. Quand El Asseloudal vient, que moi Damaro, je vais là-bas. J'ai dit, beaucoup ne vont plus moi me reconnaître. Moi, je suis alphaïste à vie. J'ai dit à tout le monde, je suis alphaïste à vie. Toute personne qui ne veut pas être moi, mon ami, ça dit, tu as mon numéro, on parle, on est amis, tu me parles mal du président Alpha Condé, c'est fini. J'ai dit à tout le monde. Mais la Guinée est au-dessus du président Alpha Condé. C'est ce que les gens doivent comprendre. La belle Marie, vous savez, les bandits aujourd'hui, il n'y a pas de médias qui les critiquent, ce sont nous, les réseaux sociaux. Et vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'experts. Nous, nos pages sont attaquées. Ils envoient des virus. C'est ce qui fait que nos lives, vous ne recevez pas de notifications. Ça n'a rien à voir avec moi. Moi, je fais de mon mieux pour bien maintenir mes pages là. Voilà. N'eût été moi mon courage de faire des lives chaque fois. Et vous n'allez même pas voir mes lives. Peut-être que 100 personnes n'allaient même pas être dans mes lives. Le CNRD, vous savez, ils ont tout fait eux-mêmes.
ils savent même plus quoi faire. Ils payent des enfants, ils s'asseyent, ils attaquent. Ils payent des espèces, ils ont fait venir des Indiens. Tout ça, là, contre nos pages. Mais c'est Dieu qui est fort et le peuple de Guinée. Donc, ma soeur, ça n'a rien à voir avec moi. Et je vais profiter aussi pour dire ceci. Vous savez, la fille dont on parle, la fille qui a eu l'enfant pour Doumbouya, vous savez, il y a eu une erreur de publication d'image. La fille qui a eu l'enfant pour Doumbouya, elle est de Cancan. Mais il y a une fille de Cancan qu'on a publié la photo qui n'a rien à voir avec l'autre fille. C'est juste une ressemblance. Donc, nous attendons la vraie photo de la fille qui a été tuée au palais et nous allons publier. Si vous voyez que l'autre vidéo en a fait descendre, parce que ceux qui ont remonté l'information, quand la fille a été bastonnée à mort, et ils ont cherché à savoir. Donc, la photo qu'ils ont eue, c'était pas la bonne photo. Et nous allons publier la photo de la fille. Comme je vous ai dit, elle était en France. Elle est venue en Guinée sans informer ses parents. Mais la photo qui a été publiée n'était pas la bonne personne. Mais ce qui s'est passé au palais, oui, il y a eu crime. Il y a eu crime au palais. Mais les images, je vous dis, ce n'était pas la fille que les gens avaient publiée. La nuit du vendredi où il y a eu le crime, 2h, 3h du matin, les militaires, ils étaient tous là-bas. La fille est venue voir Mamadi. Ses parents n'étaient même pas informés de ça. Donc, ils ont voulu mentir que la fille est décédée, a piqué une crise à l'aéroport, tout ça, là, pour que les parents de la fille ne sachent pas ce qui s'est réellement passé au palais. Donc, je ferai un live spécial là-dessus. Le temps pour nous d'avoir la photo de la fille, celle qui a eu l'enfant pour le bandit avant qu'il ne soit à la tête du pays. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. Voilà, donnons-nous les mains. Ne tombez pas dans les pièges, ne tombez pas dans les pièges des gens qui tiennent des propos communautaires. Ceux qui veulent vraiment que la Guinée brûle, ne tombez pas dans leur piège. Donnons-nous les mains. Parce que tout ce que le CNRD recherche aujourd'hui, c'est la division. Tout ce que le CNRD cherche aujourd'hui, c'est la division et avoir un soutien de la Haute-Guinée. Et Mamadi n'aura pas ce soutien-là. Donc c'est pourquoi je dis aux gens, si vous voyez les propos de certains qui soutiennent Mamadi, qui parlent de l'ethnie, je m'adresse aux Soussous, je m'adresse aux Peuls, je m'adresse aux forestiers. Analysez très bien, ne tombez pas dans le piège, tout est fait exprès pour que une forte partie de la communauté Manding vienne soutenir Mamadi Sarr pour dire seulement « Ah, c'est notre parent ». Donc c'est pourquoi je dis à tous ces vidéomans des autres communautés de faire beaucoup attention. Sinon, vous risquez de donner un soutien à ces bandits-là. Donc, je vais vous laisser. Merci à tout le monde. Merci à Medso, merci à Fatmata Keïta. Merci à Diallo Mamoudou. Merci à Mohamed Lamine Bangoura, Mr. Askonde, merci à vous. Merci à la belle Marie. Voilà, Kamara Diop, merci. Alpha Diobaldé, merci à vous. Merci à Toutou Kanté. Mara Abou, merci à vous. Voilà. Et je dis, Aboulaye Baldé, moi je vous ai dit, c'est en Guinée que je n'irai pas. Tant que le CNRD est là. Mais ici aux États-Unis, partout où il y a l'événement des Guinéens,
Si moi, Damaro, je veux aller, wallah, j'irai. Si je dois mourir là-bas, je vais mourir. Mais dire qu'il y a un événement aux États-Unis ici, que moi, en Soudamaro, que parce qu'il y a des gens du CNRD qui me menacent que moi, je n'irai pas. Wallah, moi, je ne vais pas reculer pour ça. Et je ne dis pas ailleurs, je dis aux États-Unis ici. Nte sakirenyo, mon fils, que ici aussi, pays de liberté, que des voyous vont venir, moi, me menacer aux États-Unis ici. C'est pourquoi ceux qui m'appellent souvent pour dire « Ah, Damaro ne va pas ici », je ne fais que rire seulement. Maraboutage bas, quoi bas, wallah, ça ne marche pas avec moi. Parce que nous sommes droits. Nous croyons à Allah subhanahu wa ta'ala. Le marabout, c'est Dieu qui l'a créé. Moi, en dessous, c'est Dieu qui m'a créé. Si c'est les armes là, on est armés aussi ici. Donc, Prince Kalou, merci à vous. Merci à Kalou Sangaré, Mafalcom Fofana, voilà, Abdoul Hamid, Bachid Diallo, Madou Yaya Diallo, merci à vous. Hawakbel Ousseni Kale, Suleiman Diawara, merci mon grand M.U. Mousto. Donc, ne vous inquiétez pas, le jour que vous allez entendre Damaro, à l'heure là, dans l'avion, aller à Conakry, vous allez vous inquiéter pour ça. Mais ici aux États-Unis, vous me voyez dans la voiture, je vais quelque part, ne vous inquiétez pas. Ils vont tout planifier contre moi. Ils vont échouer. Voilà. Nous croyons à Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je ne vais pas donner ma tête à quelqu'un pour dire qu'il faut me protéger. Non. Je me confie à mon créateur. Je vais retourner à mon créateur, à Allah subhanahu wa ta'ala. Pas à des individus, non. Si des gens étaient capables de quoi, nous, on ne serait pas là aujourd'hui. C'est Dieu, le protecteur. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Bonne soirée. On se reprend ce soir encore pour d'autres lives.